Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui de produits geek. Je vais vous montrer deux tirelires assez sympathiques et une tirelire R2-D2 et une tirelire du Dr. Who qui représente le TARDIS. Et en fait, elles sont sympathiques parce que ce sont des petites tirelires qui font du bruit. Donc ça, c'est comme d'habitude, hein, vous cherchez sur Amazon et d'autres sites. Alors en fait, il faut savoir qu'au départ, je voulais faire un partenariat avec Amazon, mais pour l'instant, ils m'ont répondu que la chaîne n'avait pas assez d'abonnés. Donc nous ne sommes pas assez bien pour eux, alors vous pouvez l'acheter aussi sur Cdiscount, dans les magasins de gadgeterie. Sur le site de BeWeShop aussi, qui nous avait prêté des tasses au début. Et donc, je vais vous les montrer dans le détail. On va commencer par le TARDIS. Donc la tirelire de Dr. Who, qui représente le TARDIS, son célèbre vaisseau spatial. Vous appuyez pour ouvrir les portes et là vous allez entendre le bruit. Il y a différentes phrases en anglais qu'il utilise. Donc là vous voyez à l'intérieur. Vous pouvez mettre des pièces à l'intérieur. Là il n'y a pas de bruit quand vous mettez les pièces. Et par contre c'est au moment où on referme le TARDIS. Vous allez voir, il part en voyage. La petite ampoule qui clignote encore. C'est exactement le bruit comme le vrai. Donc il y a de belles factures à se tirer. C'est un produit sous licence. Donc en dessous, en fait, vous avez le petit local pour les piles. Là, vous déverrouillez. Hop. Pour récupérer vos sous. Si le bruit vous saoule, ben, vous pouvez appuyer sur on off. On va revoir le dessin qui est à l'intérieur. En fait, pour ouvrir, il faut pousser. Et dedans, vous voyez, ça représente une photo du TARDIS. C'est assez sympa. Bon, bien sûr, il faut être fan de la série. Mais voilà pour cette première tirelire. Ah oui, j'allais oublier, on la trouve en général entre 20 et 25 euros sur internet. Maintenant, on va passer à la tirelire R2-D2. Et voilà notre petit R2-D2 en tirelire. Donc lui, vous pouvez articuler les... Il a lié les bras, en fait c'est les pieds. Non, la tête ne tourne pas. Et par contre, celui-là, il fait du bruit à chaque fois que vous rentrez une pièce à l'intérieur. Donc vous allez voir, je mets une pièce. J'en mets une autre. Donc comme vous avez vu, il y a un bouton démo aussi. Elle représente assez bien le R2-D2. Donc vous voyez, le son est derrière. Allez, je remets une petite pièce pour le plaisir. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite ampoule qui s'allume par contre. Alors pour récupérer les pièces, sur ce modèle, c'est simple, en fait, vous pincez la base. Hop. Et là, vous voyez l'intérieur de la tirelire. Et après, il faut secouer comme une bouteille d'Orangina pour que la pièce tombe. Donc, il faut faire attention à le remettre dans le bon sens, quand même. Et voilà. Voilà, si vous cherchez une idée de cadeau à offrir, ou vous voulez une tirelire un peu sympathique, vous avez donc, vous regarderez sur internet, une boutique en ligne. Vous avez la petite tirelire R2-D2, qui se trouve en général dans les 20 euros aussi. Et celle-ci est sonore par contre quand on ouvre la porte. Et bien sûr quand on referme la porte aussi. Là le TARDIS s'évapore. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura donné des idées de produits à acheter ou à offrir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Alex Express. Vous pouvez vous abonner, liker, laisser un commentaire. Merci, à bientôt.